avoir préparé toutes les chorégraphies. Grâce. On va commencer par s'échauffer parce que c'est avant tout des sportives. On a une journée entière à tenir, donc on va bien s'échauffer et on va faire une première partie qui s'appelle la répétition à sec. C'est-à-dire qu'on va mimer sur le bord du bassin tous les mouvements qu'on fera ensuite tout à l'heure dans l'eau. Ils sont où vous mettrez la caméra pour faire les plans aquatiques. Une fois qu'on met la caméra, qu'on met l'optique, l'écran, c'est vrai que ça pèse son poids, mais une fois dans l'eau, c'est tout léger. Ça va, ça va ? T'es en forme pour faire les gros plans au début ? Ouais. Alors, Stéphanie ! Tu sais, ça fait le son de la fête foraine en fait. Ouais. Je peux te le faire, tu vas le On s'échauffe le cardio, les bras, les jambes et les écarts un peu. Je suis photographe aquatique. On est prêts. Je viens de me baigner ici depuis maintenant 10 ans. Je me suis dit que j'avais envie de faire un clip avec des danseuses artistiques. Je suis très très heureuse qu'il se réalise aujourd'hui. J'imaginais sur le rythme de la chanson, je voyais des jambes, je voyais des mouvements comme ça, très féminins, de jambes, une chorégraphie poétique et sensuelle à la fois. Parce que pour moi c'est l'essence aussi de ce titre. C'est surtout ça qui a été en fait l'accroche pour l'eau, pour la piscine. C'est d'abord la musique, le rythme, les danseuses, l'eau et le noir et blanc qui était hyper important pour moi. Cette chanson, c'est moi et Pierre-Antoine, c'est notre rencontre. C'est beaucoup d'émotion pour moi parce que c'est un hommage aussi à lui, à nous, à notre vie, à tous les deux. Mais comment je fais pour pas craquer? Je fais du yoga pour respirer. Qu'est-ce que je fais pour oublier? Je fonce pour pas crever. Je préfère vous parler de ma vie, vous raconter des conneries. De toute façon, ma petite fille a déjà bien trop grandi. S'il faut vivre, oh vivre. Je préfère t'aimer. J'essaie juste de pas faire trop de mouvements brusques pour que je puisse utiliser au moins un petit mouvement. Vous avez fait de venir vers lui, du coup.